Quand on avait créé la fondation Unibank, on s'était dit que l'un des secteurs qu'on voulait privilégier, c'était le secteur de l'éducation. On a fait par le passé, à différents niveaux. À différents niveaux, on a eu à faire des dons à différentes institutions, à différentes écoles. Mais on n'avait pas encore pris la décision de créer ce qu'on appelle le fonds spécial pour l'éducation à l'intérieur de la Fondation Unibank. Et c'est cette décision que mes collègues et moi avons pris et pour, oui, célébrer les 20 ans de la Unibank, mais la célébrer en faisant une œuvre qui vaille, en faisant quelque chose qui a une portée autre qu'une simple portée, si vous voulez, économique ou bien d'image ou de réputation, mais quelque chose qui pourrait perdurer et qui pourrait mobiliser d'autres fonds dans le futur. C'est ainsi qu'à l'intérieur de la Fondation Unibank, on a pris la décision de créer le fonds spécial pour l'éducation qui va être doté de premier don de la Unibank de 1 million de dollars américains. Et c'est un don, comme vous le savez, important parce que c'est un don qui vient des actionnaires de la Unibank. Vous savez, ce n'est pas un arbre sur lequel on cueille le million, hein, et où on essaie de voir est-ce que fruit à rec, comme on dit en créole. Hein. C'est un don qui vient des actionnaires de la Unibank. Et c'est en leur nom qu'on fait ce don au secteur de l'éducation et à ce fonds spécial que nous allons essayer de maintenir avec le temps en invitant d'autres dons dans le futur de la Unibank elle-même, mais également, si les actionnaires veulent à titre privé contribuer à ce fonds, si d'autres compagnies pensent que la Fondation Unibank peut mieux les aider à gérer eux-mêmes leur contribution au secteur de l'éducation, ils seront le bienvenu. Et c'est ça l'idée du fonds spécial. Et vous verrez, dans notre comptabilité de la Fondation Unibank, le fonds spécial ne fait pas partie des fonds propres de la Fondation. Elle fait partie des fonds propres de façon générale, mais elle est spécifiquement dédiée au secteur de l'éducation. On ne va pas sortir des fonds de ça et aller dans un autre secteur. On le fait dans d'autres secteurs, on fait des dons. Ce don est spécifique au secteur de l'éducation. Le geste de la Unibank ce matin revêt pour nous une importance capitale. Ce geste nous rappelle que le secteur privé haïtien peut aussi être partie prenante de ce défi qui s'impose à nous tous, collectivement. L'éducation est la clé du développement. C'est aussi la clé pour des entreprises productives et compétitives. Ce faisant, la Unibank cède aussi. Elle aide le secteur privé des affaires en général, elle aide le pays. J'espère que ce geste ne restera pas confiné à la sphère de la commémoration du 20e anniversaire de la Unibank, mais qu'elle va s'inscrire dans la forme d'un engagement durable. J'espère aussi que le secteur privé, dans son ensemble, se montrera plus attentif à l'exigence urgente de bâtir une coalition nationale pour élever le niveau d'éducation du pays. Il dispose pour cela de deux atouts considérables. Le premier consiste, comme le fait la Unibank aujourd'hui, à reconnaître les besoins particuliers de nos établissements éducatifs et à développer une véritable culture de mécénat qui aide à relever la qualité de l'école haïtienne à tous ses niveaux. Le deuxième, tout aussi important, sinon plus, consiste à reconnaître à l'État le droit et le devoir de s'occuper de l'éducation des enfants du pays en lui donnant tout ce qui lui est dû à travers l'expression d'une discipline fiscale sans passe-pouki, c'est-à-dire en payant intégralement ses taxes. C'est de cette façon que nous pourrons bâtir une économie compétitive. C'est de cette façon que nous pourrons cheminer vers l'accomplissement du rêve du président de la République et du Premier ministre de faire d'Haïti un pays émergent à l'horizon de 2030. C'est de cette façon que nous pourrons bâtir une société sans exclusion où tous les Haïtiens seront fiers et heureux de vivre dans leur pays. C'est la première fois dans l'histoire de cette université
qu'une entreprise privée a pris vraiment l'initiative de faire un don à cette institution. Institution mal comprise. Je dis bien mal comprise, c'est vrai ces jours-ci, je peux dire que tout le monde se pose des questions, mais c'est une institution qui nous a donné au pays la grande majorité de nos cadres. C'est la mère aussi de toutes les institutions privées qui existent. Je comprends avec beaucoup d'émotion cette initiative qui ne me surprend pas quelque part. J'ai connu particulièrement le président de la Unibank il y a de très longues années. Et dans son discours, il a oublié de dire que dans les premières initiatives, ils ont fait la BCI, la Capital Bank, la Sogebank, la Sofides, et j'en passe. Ça veut dire qu'il y a une longue tradition. J'avais oublié aussi Capital Consult. Ce qui veut dire que ce geste, je le comprends, parce qu'on a beaucoup et très longuement discuté de rentabilité, mais de rentabilité sociale. Il l'a répété d'ailleurs. Pour nous, qui sommes à l'université et dans le monde éducatif, on sait que la valeur d'un pays, et ceci est reconnu d'ailleurs publiquement, résulte du niveau d'éducation de son peuple. Et l'enseignement supérieur, en plus, est depuis quelque temps consacré par l'UNESCO comme un bien public qui appartient à tout le monde. Et ce geste vis-à-vis de l'université, l'université d'État en plus, qui, avec ses 27 000 étudiants répandus à travers le pays, a une lourde responsabilité. Donc c'est un geste qui, socialement, mérite d'être souligné. Et nous sommes heureux de pouvoir remercier publiquement le conseil d'administration de la Unibank pour ce geste vis-à-vis de cette institution qui a formé la très grande majorité de nos cadres, comme je l'ai dit, et qui continuera à en former. Et j'espère que cette initiative qui entraînera aussi de la part de ceux qui ont été formés dans cette institution des gestes identiques, qui peuvent suivre la Fondation Unibank, le conseil d'administration de la Unibank, en apportant leur soutien à cette institution qui appartient au pays, qui appartient à la nation haïtienne, qui n'est pas nôtre à l'Université d'État. Mais c'est une institution qui a un devoir vis-à-vis du pays, et chaque fois qu'un de ses membres, chaque fois qu'un citoyen appuie cette institution, il fait un geste pour l'avenir de ce pays.